Bien. Ousmane Nyeloi, ministre de la Défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas. Un ministre qui ne recule pas. Un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée. Surtout ce qui concerne le chef de l'État, Son Excellence le professeur Alpha Condé. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéennes, juste pour vous informer, à 15h30, 16h, je serai en direct avec Madic Sans Frontières pour lui donner la parole, pour vous expliquer quelques détails. Moi, j'ai dit que la politique, chacun a son choix. Chacun reste là où il veut. Chacun reste dans le parti politique où il se sent bien. Le problème est que dire que parce que toi tu es dans le camp A, que l'autre n'a pas le droit de rester dans le camp B, c'est là il y a problème. Madic Sans Frontières a été arrêté à Pamalap. Lui-même, il va vous expliquer. Quand il était au niveau de Pamalap, c'est là qu'il était masqué même. Il avait mis le masque de Corona sur lui. Il a mis des lunettes et il était en casquette. À 21h, entre 21h et 22h, en âme et en conscience, en âme et en conscience, est-ce que entre 22h et 23h, tu as mis masque, tu as mis lunettes, tu as mis casquette? À 22h, quelqu'un peut te reconnaître en âme et en conscience. Il a franchi beaucoup de barrages. Il est passé. Personne ne l'a reconnu. Il faut ouvrir un peu vos yeux. Moi, je ne parle pas que si on libère Madic de venir au RPG. Hein. C'est son choix. Il n'a qu'à rester là où il veut. S'il veut, il va aller dans le parti de Jean-Marie Doré. Ou s'il veut même, il reste dans l'IFDG encore. C'est la démocratie. Chacun a le droit de rester là où il veut. Mais venir insulter les gens en pensant que c'est toi seul qui s'est insulté, c'est ça qui ne marche pas. Moi, Nyeloi, sur la tombe de mon papa, si Madic sort, personne ne va le forcer de rester là où la personne le force de rester. Il reste là où il veut. C'est la démocratie. Mais vous, les militants de IFDG, qui viennent insulter les gens en pensant que peut-être les gens ont peur de vous, ça ne va pas marcher. Tant que vous êtes en train d'insulter, on va insulter, on va répliquer. Madic se porte bien. Je l'ai vu, on a parlé. Je suis la seule personne qui l'a rendu visite, qui l'a salué.
Il va vous le dire ici. Il va vous le confirmer. Il va vous dire si Nyedoui a été méchant avec lui. Ou si je l'ai fait du mal. Ou si je me suis attaqué à lui. Non, Ibrahim, tu n'as pas compris. Je n'ai pas parlé de Madik. Je n'ai pas dit Madik a insulté. Tu n'as pas bien compris mon message. J'ai dit les militants de IFDG qui insultent. J'ai bien dit. Je n'ai pas dit Madik. Il faut bien écouter mon français. Dans la cour de ce Loudalen, quand Madik sortait, il n'est pas sorti par la vraie porte. Il a sauté. Il est parti. C'est là-bas, quelqu'un a appelé au téléphone. Il a dit qu'il y a deux problèmes. Pourquoi Madik va être arrêté? Avec la personne avec qui il parlait, le téléphone était sur haut-parleur, j'écoutais. Il dit que Dalin les ont instruits que Madik parle trop. Que même ce qu'il était en train, il a voulu faire, que Madik a fait d'une manière. Ça a été, en fait, comment même le gars a dit ça, que ça a été exagéré. La personne a dit, comment, je n'ai pas compris, il dit, Dalin nous dit que Madik est parti, même ça le dit au revoir. Madik va vous confirmer si lui et Dalin se sont dit au revoir, oui ou non. Madik, quand il sortait chez Dalin, il ne s'est pas dit au revoir avec la femme de Selo, ni avec l'autre. Selo. Vous pouvez enquêter et Madik va vous confirmer ça. Et Madik n'est pas sous pression. Madik n'est pas sous pression de personne. Personne ne force Madik à parler. Madik n'est pas un bébé. C'est pas un enfant. Madik n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. S'il vient ici vous expliquer son arrestation et comment il a été arrêté, vous aurez les larmes aux yeux. Parce que moi je me dis, toi tu te tues pour un parti politique,